Malgré des résultats moyens sur les 6 derniers matchs avec une victoire, 3 nuls et 2 défaites, Angers occupe la 3ème place de Ligue 1 Conforama au moment de recevoir Nîmes, lanterne rouge du championnat. Si le SCO n'a pas la même efficacité offensive qu'en début de saison, la défense, elle, se montre intraitable avec 3 clean sheets consécutifs. Les Crocos, pour leur part, n'ont plus connu la victoire depuis 6 rencontres, 3 nuls et 3 défaites, et sortent d'un lourd revers, 4 buts à 1 à la Méno. Inquiétude pour Bernard Blacard, d'autant que ces hommes vont être en difficulté en début de match et il faut s'en remettre aux prouesses de Paul Bernardoni pour ne pas concéder l'ouverture du score. Cette frappe était signée Rachid Alioui, le Marocain, l'ancien de Nîmes, également Antonin Bobichon est présent sur la pelouse. C'est lui qui met à contribution son ancien partenaire Paul Bernardoni, de retour aux affaires après un mois et demi de blessure. Bernardoni héroïque qui repousse tour à tour toutes les offensives angevines. Casimir Ninga avait fouetté sa reprise de l'extérieur, mais le gardien international espoir se montre intraitable. 0-0, le SCO domine, Nîmes résiste, notamment grâce à un grand Bernardoni. Il place quelques banderilles en contre, mais sans parvenir à trouver l'efficacité. Les Crocos essaye, mais ça reste trop timide pour tromper la vigilance de Butel. Angers va insister avec une frappe lointaine et le poteau trouvé par Baptiste Santamaria. Les Angevins ont marqué un seul but lors des 5 derniers matchs. C'était un penalty d'ailleurs de Baoken face à Strasbourg. Depuis, eh bien, ils peinent offensivement. Et là, ce n'est pas faute d'essayer, mais Paul Bernardoni est encore une fois en chaleur. On combine, on varie les offensives. La sortie bien à propos de Paul Bernardoni, mais le second ballon va revenir dans les pieds de Thomas Mangani qui ouvre le score à la 67e minute. Deuxième réalisation pour Mangani. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est mérité pour les hommes de Stéphane Moulin qui ont poussé et sont récompensés. Il y a de la réussite évidemment parce que on voit que cette reprise de Mangani est déviée par un Nîmois. Rachid Alioui ne parviendra pas à marquer face à ses anciens coéquipiers. On va rester là. 1-0, 7ème victoire pour le SCO en 14 journées. Angers n'est peut-être pas programmé pour rester en haut de tableau, mais sur le jeu proposé actuellement, leur classement n'est pas usurpé. Nîmes, de son côté, après ce 7ème match sans victoire, reste scotché à la dernière place.